Moi, pas choisi faire musique, c'est musique qui choisit moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que nous choisissons la paix? L'homme était tout petit, moi j'étais content. Maman a pu chanter, raconter mon histoire, et il était toujours à chanter et toujours moi-même t'attendre partie ça. Moi là. Pour me porter un message ça pour nous. La paix, son bon sécurité pour tout le monde, pour nous tous vivre bien. Je compte calculer. Et écoutez que j'ai chanté pour moi avant que mal dormi. Et puis, tard, dans l'école, je viens commencer à chanter. Et l'homme vient comprendre qui ça s'est habillé dans la vie. Et moi, décidé et faire une carrière avec chanter. After the peace concert that we at the UN mission in Haiti organized in Port-au-Prince, the capital, James came back to us and proposed to work on a workshop to engage youth from vulnerable neighborhoods, young artists, in creating, crafting messages for peace and composing songs for peace. Moi, je suis sorti dans une famille de 8 personnes. Et moi, c'est le dernier petit. L'homme était petit. Moi, j'étais un petit monde qui était gâté en pile parce que j'étais porté plus attention sur moi par rapport le fait que moi j'étais différent dans la famille, hein, parce que l'anti-monde fait justement toute l'autre chose sorti en couleur, même couleur. Et puis moi-même, moi sorti en petit blanc. Message de prédilection, moi, c'est Timon, c'est jeune, et qui genre que nous avons encadré. Parce que là, on a besoin aussi pour demain meilleur, il faut que Timon soit bien. Et il faut que nous avons préparé l'avenir pendant que nous là. Et nous devons servir nos exemples pour nous-mêmes qui avons nous-mêmes vivants. Ok, yo, yeah, sur ma ferme et j'aime, ma voix est l'esprit à l'horizon. Pour me chercher belle parole qui a servi comme guérison. Pour Haïti, qui a l'autre la marche prête, l'autre la mot avion à l'autre bord, la marche prête, ou elle a pas confié, garde une base confiée. So James, Emeline and Bitova are like brothers and sisters. They've known each other for a very long time. They work together with about 200 youth in 10 different cities in creating songs and pieces that then they perform together, young artists together with their, you know, role models. Most of the young people we work with, you know, they were amazed to be sharing the stage with such legends as James, Emeline and Bitova, who were their parents' idols as well. Pour qui ça m'a choisi fait projet ça, c'est parce que je pensais que jeune, tu as besoin de rencontrer nous, tu as soif. Et but là, c'est pour nous arriver, pour nous et on projette dans tout Haïti, côté que toutes les jeunes sont capables de mettre ensemble, que ils sont capables de fleurir le pays. We work not only with peacekeepers, the traditional image of peacekeeping. Preventing violence, patrolling in the streets of vulnerable neighborhoods with weapons. But there is another side of peacekeeping, and it's, you know, engaging communities and creating the conditions for dialogue and mediation
creating the conditions for people to be able to express themselves and say what they have on their minds and advocate for their rights. Avec ce projet Voix Haïti pour la paix, et ces jeunes, ils se connaissent, ils échangent, ils communiquent à travers les réseaux sociaux, et avant, ils ne se connaissaient pas. Ils nous aident, en tant que jeunes haïtiens, à avoir beaucoup de potentialités sur scène et de, comment je pourrais dire ça, de grandes inspirations en tant qu'artistes. Je ne peux pas dire chanter tout simplement, mais c'est vivre le mot, c'est comprendre le mot. La paix, on peut dire qu'on a soif de la justice, qu'on a soif de la non-violence, qu'on a soif de la tolérance et qu'on le fait de nous-mêmes, que ça sort de nous-mêmes. En tant qu'artiste, c'est une responsabilité de véhiculer un message positif. Parce qu'au fait, quand on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui se passe chez nous en Haïti, Et ce problème d'instabilité et de vivre ensemble. Et moi, je me suis dit, c'était comme ça que je pouvais apporter mon grain de sel.